Donc c'est le poste 1 de la fabrication de tenues de vélo personnalisées. Ici, c'est l'impression donc sur des transferts en papier, support papier, l'impression d'encre de sublimation qui vont venir nous servir à imprimer toutes les parties qui composent un maillot. Donc là, c'est le deuxième poste prépondérant. C'est l'automate de découpe. Donc c'est une table avec un automate de découpe, donc une découpe guidée au laser. Et en fait, on étale le tissu qu'on a besoin, donc le tissu qui compose un maillot manche courte, un maillot manche longue, différents morceaux. Et pour optimiser, ces morceaux-là vont être coupés à l'automate de découpe. Voilà, c'est pas de la découpe à la main. Donc on peut découper toutes les parties d'un maillot, toutes les parties d'un cuissard, ce sera découpé ici sur l'automate de découpe par la manipulatrice BA. Et ben, on retrouve toutes les parties blanches qu'on a imprimées. Donc le tissu pour faire du manche long, le tissu pour faire du manche du maillot mi-saison. Là c'est du manche long haut de gamme. Là c'est le tissu été que la feuille a dans les filets pour les boucles des vestes. Et puis les lycras par la suite, les lycras déjà colorés pour l'intérieur des cuissards, les parties non imprimées. Donc les morceaux qui ont été imprimés en bas sont à la sortie de l'imprimante remplis d'encre, c'est-à-dire de l'encre de sublimation. Donc là, c'est l'avant d'un maillot de la feuille. Et c'est avec ça qu'on va aller imprimer chaque partie du maillot. Donc le transfert et le tissu qui aura été coupé. Et là, on passe à l'étape sublimation à la calandre. Sur vous. Donc la calandre, elle chauffe à 202 degrés. À 202 degrés, l'encre de sublimation, elle se vaporise. Et comme on est sur des supports maillots, des tenues textiles techniques qui sont du polyester, l'encre de sublimation rentre dans la fibre de polyester. C'est comme ça qu'on colorise la face du maillot. Donc, en déposant le tissu sur le transfert, à la sortie, le tissu qui était blanc, on obtient un maillot complètement imprimé. Donc là, c'est une pièce du dos. Le petit morceau qu'on voit partir, là, c'est une poche. Donc chaque morceau du maillot est imprimé individuellement. Et une fois que c'est imprimé individuellement, chaque morceau, tout ça, ça part en confection. Donc la confection, elle est composée de plusieurs postes. Voilà, chaque machine a un petit peu ses fonctions. La dépose de l'élastique en bas de maillot, l'assemblage classique au surjet, l'assemblage des fonds ici sur cette machine-là, la zigzag avec les fonds qui sont derrière, l'assemblage des zips ici, qui est le poste de Valérie. Chaque type de finition a ses machines, il y a des machines en double hein, en fonction de ce qu'on fait, mais on est sur de la confection pure et dure jusqu'à la finalisation de l'article où à la fin on obtient un maillot complètement assemblé, fini. Donc à la sortie des machines, le maillot arrive ici complètement assemblé. On arrive au dernier poste qui est l'épluchage, puisqu'il reste toujours des fils de fin de machine. Et contrôle des coutures, des différents surjets, contrôle de l'assemblage et de la pièce en règle générale pour partir à l'emballage et expédition. Et tu mets combien de temps donc, pour faire une série de maillots, on va dire? À une série de maillots, ça dépend, parce que plus la série est longue, plus on gagne en efficacité, pas besoin de changer le fil des machines. À l'impression, c'est pareil, on va aller beaucoup plus vite, on ne change pas de tas. Mais on peut, si tout est optimisé, c'est-à-dire si tout est prêt, de l'impression complète à la coupe, un maillot, en 2 minutes 30, 3 minutes, on peut confectionner un maillot. Toutes les étapes compilées. Et on ne fait jamais un maillot dans son ensemble en une fois. C'est des séries, des commandes complètes avec lesquelles on travaille.